Ouais. C'est dessus, je crois. Ouais, c'est bon. C'est bon, on peut y aller. Oh, je suis mort. Il manque moi, gros. Allez, go. Ouais, je sais pas d'où il tire, mec. Ça commence à être de la game. Ouais, gros, il m'a mis, vous avez techie de la game. Ah merde. J'ai cliqué pour rentrer dans le log. Vous avez tué par votre cul. Pourquoi tu m'as tué, Rigi? J'ai tiré sur une mine. Mais je me disais, mais non, mais c'est pas une mine ça. J'ai tiré dessus pour voir. On y va! Faire bannir ton compte, voilà, donc je tiens juste à confirmer ce que disait l'avant-dernier, voilà. Ouais, non, mais c'est pas normal qu'il se branle en caméra et toi, tu montes juste la moitié de ton visage. Il y en a, ils montent les murs, hein. Il y en a, ils se montrent même pas, ils montent juste des flammes. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est sérieux, il est en train de se branler, s'il te plaît, les gars. Oh non. Tu m'en penses. Oh, la frontale. Bye bye. Oh. Jérémy, t'es énervé comme une meuf en règle. Ah ouais, non, mais ça me casse les couilles. C'est des mecs comme ça qui représentent mal. Le mec, il est fier de lui. Il dit, ouais, je suis rapta, je suis bourré de gouille. Il sait même pas de quoi il parle. Il sait pas ce que c'est que le 42, ce bouffon là. Mais il y en a plein de gens bourrés comme ça, surtout pendant le confinement. Ouais, mais il les tolère pas. Il te mérite pas. Toi, t'es une petite crème. T'es une beauté. Ah, t'es gentil. Ah ouais. Mais c'est parce que tu l'as croisé sur d'autres lives. Mais ouais, je l'ai croisé, c'est un putain de pervers. Ça m'étonnerait pas qu'il ait son autre main sur son chibro, sans se branlaxe. Bah ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 non, mais non. Non, mais tu déconnes là, c'est ton pote. Je te dis ça normal, t'as pas entendu. Tu vois pas les mouvements, à chaque fois le plan il est comme ça. Tu crois quoi? Tu crois un mec un plan comme ça en contre-plongée, c'est pour quoi? C'est pour 10 dessus, c'est pour te cracher comme ça. Mais t'as craché là? Ouais, alors, c'est juste pour te montrer. Full guignol, le gars. Moins 1. Oh, le massacre, Henri. Moins 2. Détruis des loot-pots, sont des loot-pots. Tu es le dernier, j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, putain, les mecs, vite, vite. Nice, merci. Grégouze, toujours là pour foutre la merde. Ouais, non, il est gentil, Grégouze, il m'a donné 1000 diamants. Arrête. T'es sérieux, tu donnes des diamants aux meufs? Mais t'as une meuf. Ah, non, parce qu'il t'a donné 1000 diamants. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais t'as une meuf, Greg. Je sais pas qu'elle est méchante, merde. Tu fais quoi, Greg? Ah, mais cette map, elle nous... Toutes les 10 secondes. Je crois que je suis allé dans le territoire ennemi, mais pas de la meilleure des manières, je crois. J'ai dû être en charpie. Là, je venais de sortir de la douche, là, les gars. J'étais frais. J'ai pris une photo comme ça, en stuffa. Là, je suis tout nu, ouais. Ouais, là, je suis tout nu. Les gars, sérieusement, il faut le prendre ce point. Sinon, passez par le champ de maïs à gauche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Après, je vois un gros flanking alors. Si vous voyez Jimmy James, le mec, TK, tuez-le, les gars. Ouais, j'ai envie de TK depuis tout à l'heure, les. Ouais, ça va. Tu vas bien? Dis-moi, je me posais une question. T'es de quelle origine, celle qui est à droite? C'est qui à droite, la blonde ou la brune? C'est laquelle? Ouais, toi, celle qui parle, là. Moi? Ouais. Kabyle, pourquoi? Ah, c'est une rebeu. Ah, bah, merde. Ouais. Quoi, merde, ouais, quoi? Non, mais vas-y, ça va les encourager, je préfère pas, gros. Du coup, la meuf a l'air hermaphrodite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a un zub, elle a un vagin aussi. Du coup, elle me dit, vas-y, mais essaye de faire. Oh, ça va, frérot? Ouais. Ouais, ça va, ouais. J'étais en train de parler de quoi, gros? J'étais en train de parler au téléphone avec mon pote, j'avais capté une meuf hermaphrodite. C'était une nouvelle expérience pour moi, gros. Hermaphrodite, c'est-à-dire c'est les deux sexes, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, c'était pas mal. J'étais dans un animé dans ma tête. Et c'est vrai que t'as envie de voir des bites? Ouais, tu montes la tienne? Bah là, pour le moment, non, parce que là, je suis en demi-molle. Je préfère te la montrer dans un autre jour, quoi. Bah dans les détails, tu peux aller... C'était quoi? J'étais assez choqué de la taille du pénis. Ouais. Et la douceur du vagin, quoi, c'était pas mal. C'est voilà, subhanallah, ça... c'est bien fait quand même, tu vois. Il y a des trucs bien faits. Tu lui as fait l'amour? Ah oui. Moi, j'ai laissé le manche sur le côté, tu vois. Déjà, je suis. On m'appelle Yael, je suis non-genré. Et on est à une ère où il faut s'accepter tel. Oh, j'adore, c'est génial, t'es non-genré, mais c'est putain. Ouais, non, je suis non-binaire, non-genré, et en fait, je m'accepte comme je suis, et voilà, je pense que c'est ça, la liberté. Malgré ma tête de Mujahideen, voilà, je suis une femme au fond de moi, et des fois un homme, ça dépend des jours, et voilà.
Je te souhaite une bonne soirée et merci de pour ton ouverture d'esprit. Angelita qui te demande, Merwan, est-ce que tu fais où tes études à New York? Une demoiselle. À Pace Université et j'ai fini, ma chérie. N'hésite pas à passer au 24 Daguerre 93-500, ma gueule. Voilà, Angelita, j'espère que tu as eu l'information. Il est célibataire, il serait intéressé. Moi aussi, je suis célibataire. Plus coulante. Into coulante, Riri, t'as capté ou pas? J'ai pas vu, merde. Putain, je restais... C'est Michel. J'ai un cadeau pour toi. Je te trouvais très belle. Regarde. C'est le cœur. Je l'ai dessiné pour toi. T'aimes pas? T'aimes pas mon cadeau? T'aimes pas mon cadeau? Mais non, c'est triste. J'ai fait le cadeau de toi. Laissez-les sortir, ils sont tous fous. Bah ça va, Angelita. T'as le temps, si je suis aussi taré que ça, c'est pour il va te faire découvrir ce que c'est que le bleaching d'Anu, en plus. Ouais, ça ouais. Les gars, ils font ça pour 30 balles plus finition marteau-piqueur, tu vois. Ok, tu vois, un petit dunk là. Élimine-le. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Is it B? Ouvre la bouche. Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Je vois pas, ils font des trucs de ouf. Ouais, je suis niqué ta race, gros, tu fais quoi? Tu l'as pris? De ouf! Putain, mec, chez moi c'est. Il y a trop de crachats. Regarde, il coule, regarde, t'es content ou pas? Regarde. Non, y'a pas rien, je me montre pas, s'il te plaît. La petite perlouse. Pas mal, la petite perlouse. Pas mal, petite perlouse. Je sucerais bien. Ouais, mais allez, tous vous faire enculer un par un, les gars. Mais tu vas pas, il va y faire. Il ressemble à un gay en plus, j'ai l'impression qu'il est gay, non? Bah, je vais t'enculer, frère, tu vois, le dit. Mais gros, il me dit que je suis. Oh putain. Allez, prieur de rue dans le chat, faut que ça buste. J'ai embrassé le drapeau, ça va pas. Ça va pas. Allez, pas une carte de merde, genre un œuf. NON! Non, frère. Toi, tu m'excites. Arrête, toi. Le blond, il est trigger. Oh, je passe la meilleure soirée, les gars. Oh putain, je m'éclate. Les gars, vous me tuez, les mecs. C'est quoi ça? Oh, vous étiez malade. Casse-toi. Ta gueule. Attends, ah, mais tu vois, tu restes agressif. Je fais un pas vers toi, mon enfant. Je suis en fourgonnette, je me ramène devant chez toi, devant ta cour de récré. Ouais, les gars. Tu parles de gros bouffeur de nuggets, t'as vu comment il est gros, frérot? Ouais, les gars, faut que je me calme un peu. Si tu veux, j'ai des nuggets chez moi. Tu veux manger? Non. Écoute bien ce que je te dis. Il y a des gens qui te filment sur une espèce de plateforme là de jeux vidéo. Mais vas-y. Elle veut quoi, cette guignole? Des gens qui te regardent. Qui l'envoie? Ta gueule. On est là. Ça s'appelle Twitch ou Stitch ou un truc comme ça. Il y a des gens et le mec il te filme. C'est qui cette guignole? Il y a des millions de personnes qui te regardent et tout. Des millions de personnes. Les gars, vous supportez pas, mutez-vous. Point barre, c'est tout. Ok. Ne cassez pas la tête. C'est trop marrant comment t'essaies de faire le médiateur alors que t'as une voix de paysan, mec. Mais gros, toi tu parles trop, toi. Tu parles trop mal, je t'ai dit. Arrête de parler mal parce que moi je vais t'insulter direct. Tu vas rien faire parce que tu peux être signalé sur ce Discord et être banni à vie. Eh ben nique ta mère la pute, tu as compris maintenant? Va niquer tes morts, fils de pute, va. Ah, c'est ce qu'on gagne, voilà, quand on est qu'on respecte pas. Et va appeler même ta mère, ton nom, qui tu veux, appelle l'admin. Ah putain, on est dessus là, vide ma mère, enculé de tes morts, casse-toi. C'est quoi? Oh la vie de ma mère. Encule-toi, fils de pute. Va filmer la vie des autres, enculé de tes morts. Prends ta bite dans ton cul et casse-toi. Mais laisse. Lobo t'a cramé. Comment ça, Lobo? Ouais, merde, les admins de Lobo. Nique ta mère, enculé. Mais... Encule-toi, vas-y, je suis là, je viens live, en paix. Enculé de tes morts. Je viens en paix. Bloquez les gens, attends, je suis en train de bloquer, attends. Je viens casse-toi, en paix. Casse-toi, la vie de ma mère, va faire du buzz sur les autres, va faire tes overbuzz mais ailleurs, non, mais... là. Les overbuzz.
Vas-y, casse-toi, la vie de ta mère, viens en paix dans ton cul, fils de pute. Je viens en paix, sincèrement. Tu nous as rendu fous toute la game. Allez, casse-toi. Vous avez réveillé ma famille toute la game, alors casse-toi toi aussi. Frérot, c'est toi qui les as réveillés, ta famille. Tu peux arriver que pour aller chercher. C'est normal, j'ai crié à cause de vous, je me suis énervé. T'as quel âge? Non, dis-moi juste à quel âge. Mais gros, on n'est pas des enfants, on va pas te chercher des excuses, gros. Assume tes paroles. Tu sais que le cas, j'ai enregistré tout ce que t'as dit. Assume tes paroles, mais non. Ouais, frère. Est-ce qu'à un moment donné, j'ai insulté ta famille? Non. J'ai fait des allusions, peut-être certes racistes, mais tout à fait légitimes, concernant le rebeu, là. Et après, c'est tout. Mais en quoi légitime, frère? Genre, t'arrives, tu dis, ouais, l'Algérie, nanana, n'a que le avec les cons. Bon, écoutez, les gars, moi, j'ai pas besoin de White Savior ici. Vous êtes tous les mêmes pour moi, allez tous vous faire enculer. Je voulais passer une bonne game où vous avez cassé le crâne, allez tous vous faire enculer. Fissa Bilila. Et voilà, des incantations arabes pour qui prônent le terrorisme, et ça vous laissez passer. Allô. J'en ai un autre. Dépresse-toi mon image. Monte pas ma tête. Enlève l'image. Oh mon guignol. J'ai pas donné mon autorisation dans mon image. Ah ouais, c'est ma copine. T'enlèves mon image. Décale-toi un peu de ton téléphone, t'as oublié ton masque. En plus, tu louches. Enlève mon image. T'as un oeil. J'ai pas donné mon autorisation, t'enlèves mon image. T'as un oeil qui dit merde à l'autre. T'enlèves mon image. Je n'ai rien à branler, t'enlèves mon image. Ouais, ton père, il aurait mieux fait d'éjaculer dans un bol et de te regarder nager. Salut, je suis le... Ce qu'il a mis. Et du coup, je vous le file pour que vous puissiez regarder pour... Attention. Attention! Toi, hé, la vie de ma mère! Hé, tu sais quoi, me chauffe même pas, la vie mais de ma mère! Mais je te chauffe pas, je tu sais même pas! Mais dis, je viens en paix, Odile! Va fermer ta gueule, tu peux pas en placer une! Tes abonnés peuvent se taper des barres, payer ton mais abonnement, non, je m'en bats les couilles! Mais c'est parce que voilà, tu as mal parce qu'il y a de l'overbuzz et il y a de l'argent derrière Twitch! Ferme ta gueule, la vie de ma mère, parle même pas avec moi, casse-toi! Je vais me casser! Avec ta vieille perruque de PD, va sucer des bites, enculé! Quoi? Ta gueule, casse-toi tout de suite! Mais la vie de ma mère, casse-toi tout de suite! Quoi? T'es sérieux, là? Casse-toi tout de suite! Mais la vie de ma mère, casse-toi tout de suite! Ok, attends, mon fils de pute, ta gueule, casse-toi! T'as pas le droit de m'insulter! J'ai rien fait! T'as pas le droit de m'insulter! Eh, mais la vie de ma mère, tu sais quoi? Tape ton overbuzz! Je m'en bats les couilles! Mais t'as qui pas? Merci beaucoup pour ceux qui me font des dons. Merci Balistique pour les 20 euros. Merci. Ah bah, elle a coupé. Et quelle meilleure chute. Merci Playfort. Merci Likéfer. Merci à tous ceux qui s'abonnent pour payer les frais d'avocat. Merci à Fury07. Merci à Machiavelli599. Merci à Balistique. Merci beaucoup. Merci à Mills. Merci à toi, Nouvaé. Si tu regardes encore ce live, je pense qu'on est, sur un joli best-of. N'oublie pas, la vie est d'une fête. Prends-la comme du velours. Souris gris. Et tu verras, il n'y a que de l'amour ici. Je vous aime. Et quelle meilleure chute pour terminer ce live. Ça reste quand même mon émission. Même si tu m'as diffusé, c'est pas grave. Prends des royalties. Prends n'importe quoi, fais ce que tu veux, détourne mon image, il n'y a aucun souci.